Bienvenue au Temple de Salomon. Des milliers de personnes, en entrant dans le Temple, ont déjà vu leur vie transformée, leurs espoirs perdus, reprendre vie et une force pour vaincre, les remplir. En entrant dans le temple, la grandeur du temple, tout ce que j'ai vu, tout ce qu'il y a, et ce que l'évêque Macedo a dit dans Jean chapitre, sa prédication, et que c'est l'obéissance et se donner à Dieu et qu'il soit toujours en première place. Là, j'ai bien compris. Rien doit être avant Dieu. Et continuer, toujours continuer dans l'œuvre et bien faire l'œuvre. Voilà, je me suis sentie remplie. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Vous aussi, venez vous inscrire pour participer au prochain voyage au Temple de Salomon du 16 au 21 juillet 2015. Plus d'informations auprès du pasteur de votre église. Un voyage qui changera le cours de votre histoire.